Bon, on va commencer par les invités chanteurs. Est-ce que vous connaissez Perrurier Noir? Est-ce que vous connaissez La Mort au Choix? Voilà, on a fait une reprise dans notre vie, on en a fait plusieurs, mais vraiment une qu'on tenait tout le temps, elle était sur l'album, c'était La Mort au Choix. Donc ce concept de chanson consiste à choisir la mort que l'on veut choisir. Mais ta gueule! Attends, mais il faut que je meuble là, je t'explique après. Alors pour cette chanson, je veux accueillir deux chanteurs, mais qui ne sont pas chanteurs, c'est Jeff et Anthony! JF, qui était notre maître nageur parce qu'il ne doit juste on l'appelle maître nageur. Je dois juste aider Gaëtan à tourner la guitare donc on arrive dans le Et Anthony, qui a été notre backliner, et c'est un peu sa malédiction parce qu'il est en train de chercher la guitare. Du mec qui va jouer de la guitare maintenant, c'est Gaëtan. Mais comme d'habitude, Gaëtan, il sait pas où elle est sa guitare. Voilà. C'est un peu comme ça que ça se passait dans Evangelia. Le mec, il venait sans sa guitare. C'est quoi cette merde? Ah ça va, il a retrouvé sa corde. Bon alors, qu'est-ce que je peux vous raconter pendant ce temps-là? Alors JF, est-ce que tu es content d'être là? Ouais, j'ai une super blague. Ah voilà. Est-ce que vous savez... Attends, avant de raconter une blague, je vais faire une dédicace. Parce qu'il y a deux personnes ici qui ne devraient pas être là du tout, qui détestent cette musique et qui sont quand même venues. C'est Aude et Leïla, ce sont des collègues, je veux qu'on les applaudisse. Bon, maintenant raconte la blague et n'oublie pas que je travaille pour un mouvement féministe. Hein. Elle n'est pas sexiste, elle est juste pas drôle. Alors, vous savez ce que c'est un dozo? Il s'appelle dozo en fait. Un endroit où on fait du judo. Merci pour ça. Et voici Gaëtan, mesdames et messieurs! Alors, pour les personnes qui seraient un peu frustrées, en mal de vivre, qui seraient un peu déçues que Gaëtan ne soit pas là pendant tout le concert, il faut savoir que Gaëtan a une mémoire de poisson rouge et qu'en 10 ans, il a oublié tous les morceaux. Bah oui, je dis la vérité aux gens, hein, Gaëtan. Il a dit un morceau, ok. On a négocié pour deux. Alors je veux un tonnerre d'applaudissements pour la mémoire de Gaëtan. C'est parti. Messieurs, la France. Ouais, la France.
cette espèce d'hirondelle qu'on n'a jamais réussi à domestiquer. C'est pas l'hirondelle.